Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors je vous ai laissé plusieurs secondes devant cette image. Cette image que j'ai trouvée sur le réseau Twitter. Anciennement Twitter, à présent le réseau X. Cette image qui dit très clairement pour ceux qui ne sont pas anglophones, que ferait Macron si Jean-Michel était enlevé par le Hamas alors mon but n'est pas de regarder si cette image vient vraiment d'Israël ou est une image retouchée ou inventée. Peu importe, je dirais. Ce qui m'intéresse, c'est de voir l'image que renvoie le couple présidentiel à l'étranger. Comment sont-ils perçus Pour ce faire, je vais prendre l'oracle G. Et puis, je vais interroger les cartes, ou plutôt l'oracle, vis-à-vis de plusieurs ensembles de pays. Je vais demander dans un premier temps comment le président ou plutôt comment le couple Macron est-il perçu en Asie. De la même façon, je vais regarder et quand je dis en Asie, bien sûr, j'y mets les gouvernants. Hein? Bien sûr. Comment est perçu le couple Macron par les responsables politiques aux États-Unis Et puis, je veux aussi demander comment le couple Macron est-il perçu dans le reste de l'Europe. Comment le couple Macron est-il perçu en Russie Donc toujours par les gouvernants. Hein? C'est bien l'attention que j'y mets. Et puis, je vais enfin regarder comment le couple Macron est-il perçu par le responsable politique français. Alors, bien sûr, je vais pousser ces cartes-là. Il va falloir remettre un petit peu tout ça dans le contexte de chacun. La raison est simple. Suivant les intérêts, il peut y avoir des bémols qui sont amenés. Je m'explique. Peut-être qu'en France, on aura un regard moins people. Peut-être que d'autres auront un regard people. Je vais juste reprendre les cartes. Je les rebats une dernière fois. Je vais les mettre au-dessus. Et je vais reposer la question, puisque l'image que je vous ai mise en début était dite provenante, provenant d'Israël. Comment les Israéliens perçoivent-ils le couple Macron Et finalement, je vais faire la même chose. Il y a deux cartes qui sont venues, on regardera les deux. Comment finalement le monde arabe perçoit-il le président ou plutôt le couple Macron. Et chacun se placera sur un plan qui lui sera propre. Et vous voyez que si vous faites des tirages vous-même, eh bien, avec une simple question, il suffit de tirer une carte pour avoir une réponse. Et pas besoin de la recouvrir et de la recouvrir encore. Je vois encore trop de, de, de personnes qui, qui souhaitent une aide pour leur tirage. Mais j'ai vu des tirages, oui, ce que j'appellerais le tirage de l'horreur, de plus en plus de cartes qui recouvrent parce que les réponses n'ont pas été comprises. Prenez le temps. Si vous-même vous vous abandonnez vers les arts ésotériques, prenez le temps, une question, une réponse. La question, vous la formulez de façon très claire. Et la réponse, c'est l'oracle qui vous la donne en une carte. Il n'y en a pas besoin de 3, de 4. Donc, si vous voulez de l'aide, bien sûr, vous pouvez m'écrire sur utérvoyon.com. N'oubliez pas dans ces cas-là de me donner la formulation que vous avez employée pour la question. Elle est importante. Et vous me photographiez la carte. Et ainsi je vous répondrai. Attention, les réponses ne sont pas immédiates. Hein. Laissez-moi le temps, je fais entre 10 et 15 jours pour vous répondre. Donc ne me relancez pas au bout de trois jours. Ça sert à rien, je n'aurais pas regardé encore. Ah, il me faut un petit peu de temps pour regarder, ça prend du temps. Si on veut faire les choses bien, il faut toujours du temps. Alors regardons. Regardons en Asie. Comment est perçu le couple Macron Nous avons le papillon. Le papillon est la chenille. La chenille... Je vous montre la carte d'un peu plus près. Et n'oubliez pas le sens de la question, le couple Macron. L'idée est de quelque chose qui est plutôt caché, comme finalement le, la chenille, qui cache en, en elle-même, en son sein, un papillon qui va éclore. Après, transformation de la chenille très quelconque vers un papillon haut en couleur. On sent que quelque part en Asie, il y a pour eux dans le couple Macron une transformation, et forcément ça fait écho à ce qui est écrit sur le panneau. Euh, provenant soi-disant d'israël ça fait écho parce que bien sûr on y voit l'allusion jean michel on connaît tous cette histoire euh, et ces allusions là encore on peut se dire que les gouvernants en asie y croient réellement encore une fois le but du tirage n'est pas de dire oui ou non de répondre à la question chacun a sa réponse et surtout je suis prudent je n'ai pas envie que la chaîne soit attaquée. Je ne m'intéresse donc pas à la question, à la finalité de la question, mais à comment les, jeux, les autres perçoivent cela. Regardons à présent les USA, qui englobent aussi bien Trump que Biden. Là, on s'interroge même s'il y a un amour entre eux. Parce que vous voyez ici, nous avons un cœur qui est séparé, mais un point d'interrogation. Le point d'interrogation semble se demander quand même très fortement ce qu'il y a réellement entre ce couple. Y a-t-il.. Est-ce qu'un couple de façade, on le voit plutôt comme ça Aux États-Unis, on s'interroge. La question n'est pas vraiment tranchée. Mais vous voyez que ce couple intrigue. Ce couple Macron semble poser plus de questions que finalement n'apporter de certitude. On s'interroge. Et quand on s'interroge, eh bien, on s'interroge parce qu'il y a eu des signes. Forcément, une interrogation, elle ne vient pas quand il n'y a pas de signes. Souvent, je vais vous prendre un exemple simple. Si on s'interroge sur la durabilité de son couple, c'est parce qu'inconsciemment, on a perçu d'éventuels problèmes, on a perçu des difficultés qui seraient à venir. Et donc, qui remettront en cause la durabilité du couple. Eh bien là, c'est pareil. Les gouvernants américains ont compris certaines choses dans le couple Macron. S'interrogent. Non pas les réponses. En tout cas pas toutes. Mais pour eux, il y a plus l'idée de couple de façade à présent que réellement autre chose. Vient ensuite la vision dans l'Union européenne. On voit là une croix avec des lames de faux qui viennent frapper. Si on regarde bien le, dans l'Union Européenne, on est plus au courant de ce qui se passe. Oh bien sûr, les services de renseignement, me direz-vous, aux États-Unis, ça fonctionne bien, la NSA, etc. La CIA, etc. Oui. Mais ce sont des services de renseignement, alors que là, dans l'Union Européenne, on se côtoie. On parle. Macron est souvent. Au contact de Van der Leyen. Van der Leyen est au contact d'autres personnes. Et puis, les députés proches, plus ou moins proches de Macron, parlent des situations. Et là, quelque part, avec cette croix et ces faux, pour moi, ils s'attendent à un décès. Et forcément, ça me retire vers la vidéo que j'ai faite sur Brigitte Macron. Ils s'attendent à un décès. Ils savent quelque chose sur une maladie concernant un des deux Macron. Et j'en reviens, comme je vous l'ai dit, à la vidéo que j'ai faite pour annoncer un décès dans le couple Macron, celui de Brigitte Macron. Et là, forcément, vous voyez, ils n'ont pas de point de vue autre. Pas People. Pas People, mais... Ils s'attendent au décès. Regardons en Russie. En Russie, pour eux, il y a des secrets, il y a des papiers, il y a des choses qui prouvent. Ce couple n'est pas ce qu'il est pour eux en Russie, pour les gouvernants russes. Il y a eu des papiers arrangés, il y a eu des documents cachés. Et d'autres qui se sont envolés. Le secret de. Le, le, le couple Macron possède un secret. Et ce secret est connu des gouvernants russes. Comme quoi, peut-être leur service de renseignement, en tout cas dans ce domaine, fonctionnerait-il mieux que ceux aux États-Unis? Parce qu'en fait, aux États-Unis, ils se sont interrogés que sur la durabilité du couple, sur la façade du couple. L'Union Européenne, c'est plus sur un côté médical, parce qu'effectivement, peut-être pour eux, c'était plus, plus facile à voir, et que le reste n'était peut-être pas aussi important. Mais regardez en Asie et en Russie, on a une autre vision, comme je vous l'ai dit, peut-être plus people, et les gouvernants français. Les hommes politiques français, quel regard Nous avons la carte de, du coquillage. Là encore, le coquillage où tout est renfermé, on n'est pas quelque chose de communicatif, le coquillage, c'est l'idée d'un animal vivant à l'intérieur d'une coquille. Et cette coquille est fermée de toutes parts, comme, comme un secret finalement. Nous avons à nouveau l'idée du secret. Quand on regarde, c'est à nouveau encore le secret qui ressort. Alors les gouvernants israéliens. Je serais tenté de vous dire qu'on nous gère un air de musique avec cette harpe. C'est un petit peu l'idée euh, qui m'est venue tout de suite en tête. Et puis, regardez ce masque en dessous. Là encore, nous vivons dans les illusions, dans la communication comme la mésange. On communique sur une forme aussi euh, d'harmonie quelque part alors qu'en fait on nous cache quelque chose. Eux aussi sont extrêmement méfiants sur ce, sur ce couple Macron finalement. Et le monde arabe. Vous voyez où je vous ai dit au départ, il faut faire attention parce que chacun peut y, peut y voir quelque chose de différent suivant sa propre culture. Regardez les Américains qui ont plutôt une tendance... À accepter la culture woke, mais eux n'aiment pas les couples de façade. C'est toujours, dans le monde politique américain, c'est toujours cette petite bête qu'on va chercher. Les Israéliens, comme les autres, s'intéressent plus à regarder s'il si si y a des mensonges au niveau du couple. L'Union Européenne, elle s'intéressait plus à savoir Là encore, sur, euh, infectés par le wokisme, n'ont pas le même regard, je dirais. Alors, regardons le monde arabe. Une poignée de main virile qui se serre. On ne s'embrasse pas entre mes femmes, mais on se serre la main entre hommes. Poignée de main virile, c'est le regard de ce couple Macron. Pour eux, c'est un couple viril. Alors, vous voyez, c'est étrange par rapport à cette, euh, cette affiche, ce panneau lumineux. Comme je vous ai dit, je ne regarde pas si ce panneau est vrai ou pas. Ça m'a juste fait sourire quand je l'ai vu. Chose étrange, j'ai eu un sentiment qu'il disparaissait très vite. Mais comme je vous ai dit, je ne cherche pas à regarder si le panneau est vrai ou pas, quelle importance Par contre, ça m'a donné cette idée de tirage et de voir finalement comment un couple présidentiel, parce que n'oublions pas, c'est le couple présidentiel, comment est-il perçu à l'étranger Nous avons la réponse. Je vous donne rendez-vous à très bientôt, les amis.